Coucou, je vous prends. On est samedi 17 décembre. Ambiance voiture comme d'habitude, sauf que cette fois-ci il y a un ciel bleu magnifique. Tout était tout gelé ce matin. Je vous ai pas pris. Si je vais vous prendre des inserts après, parce que là c'est joli, c'est tout gelé. Je vous prends 3 minutes pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui le 17. Bon, je soupçonne ce que c'est. Je pense même que par transparence vous pouvez le voir. Est-ce que vous le voyez? Non, ça se voit pas. Je pense que c'est. Je m'en doutais. C'est un sucre d'orge. La dernière fois, je crois que j'ai dit une canne à sucre. Un sucre d'orge bonbon dur au goût fraise. La dernière fois, il était tout rouge. Là, il est rouge et vert. Alors, autant vous dire que la dernière fois, je n'ai pas eu le temps de le déguster. Il a été mangé. Donc, j'aimerais bien le mettre dans le sapin et le manger un peu plus tard. Et j'ai pris un livre parce que je suis trop à la bourre. Je vais essayer de vous caler un peu mieux parce que c'est vraiment pourri là. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, je parle toute seule. Il y a quelqu'un qui passe. Voilà. Je dois passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, bonjour, voilà, ça c'est fait, petite pensée à tous ceux qui se filment tout seuls, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai, je vois de la mer, je vais essayer de faire à partir de là, je vois policier, je crois, ouais, policier, ça m'a l'air très estival, Michael Connelly, créance de sang. Alors Michael Connelly, moi j'ai lu Le Poète, et je crois pas que j'en ai lu beaucoup. Ah, elle ne l'a pas connu. Elle ne le connaît pas. En plus, c'est un tome 1. Oh, trop bien. C'est le tome 1 d'une saga. Trop bien. C'est marrant, ça, ce sont des polars old school. Et en fait, c'est trop cool, les polars old school. D'ailleurs, en parlant de polars old school, j'ai quasiment terminé. Je suis là. Je suis là. Regardez. Hop, je suis là. Il me reste ça de Miséricorde. Ça, j'aime beaucoup le dénouement. Alors après, il faut pas s'attendre à du livre avec rebondissement à fond, genre waouh, mais punaise, mais en fait c'est ça, mais non c'était ça, mais non. Non, c'est pas dans ce style-là. C'est plus classique, on va dire. Mais c'est pas grave en fait, parce que l'intérêt, il est pas que dans le rebondissement, il est aussi dans l'attachement qu'on peut avoir au personnage. Et là, j'ai surkiffé ces personnages, donc. Je suis très contente de cette lecture. Je ne sais pas encore si c'est un coup de cœur, parce que je ne sais pas. Il va falloir que je réfléchisse, mais peut-être que la lancer dans une saga va être un coup de cœur. Aujourd'hui, j'ai pas mal de route, donc je vous reprendrai beaucoup plus tard dans l'après-midi, parce que ce matin, je fais pas mal de route. Je vous reprendrai et je vous présenterai le tag qu'on a préparé avec Camille des idées de Nims. C'est Camille qui a préparé le visuel. J'essaierai de vous le mettre pendant que je vous préparerai le tag. C'est toujours Camille qui prépare les visuels quand on le fait ensemble. Et voilà, donc je suis super contente du résultat et je vous présenterai ça évidemment tout à l'heure. Dans la journée. Alors du coup, je viens de terminer la lecture de Miséricorde de Jussie Adler-Olsen. Donc c'est le premier tome de du département V. C'est là où vraiment on fait connaissance avec Karl Mork et avec Assad. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce premier tome. Je pense que c'est, je vais réfléchir, mais c'est peut-être même un coup de cœur parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu une attache très forte à Karl et à Assad. Et au lien qui va se tisser entre eux. L'enquête en elle-même, je l'ai trouvée super, elle est hyper intéressante. Donc en gros, on suit l'enquête, c'est un cold case, donc on suit
l'enquête qui est menée par Assad et Karl du département V. Et en même temps, vu qu'il y a eu un drame au début, c'est comme ça qu'on rencontre Karl. On suit l'enquête qui est menée par les collègues de Karl. Et on suit aussi. J'ai l'impression qu'il y a une troisième enquête. Pourquoi je dis ça? Il me semble qu'il y a un troisième truc. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant, voilà, de toute cette mise en place. Et justement, ça sent pas la mise en place. Donc, c'était super bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je viens de terminer celui-ci. Et j'ai pris ce matin en bibliothèque. Parce que je suis allée en bibliothèque. Alors, attendez, j'ai un thé chaud. Évidemment, c'est pas très pratique. Donc, j'ai pris en bibliothèque ce matin le tome 2 de Donato Carisi. Même si je me suis spoilée que j'ai lu le tome 4, c'est pas grave. J'avais adoré Le jeu du chuchoteur. Non, Le chuchoteur est un coup de cœur pour moi. Le jeu du chuchoteur, c'est le tome 4. Donc, j'ai quand même décidé de lire L'écorché parce que, apparemment, L'écorché et le tome 3 qui s'appelle je ne sais plus comment. Je vais pas l'avoir là-dedans, le titre. Le tribunal des âmes? Non, je sais plus. En tout cas, celui-ci, apparemment, il est hyper bien. Donc, je vais le lire. Et j'ai pris aussi à la bibliothèque le tome 1 des Mondes des Willans de Pierre Bottero, parce que ça fait très très longtemps que j'en entends parler, notamment par Cornelius et par Les mots de l'imaginaire. Donc voilà, je me suis dit, je sais pas, pour moi c'est le côté fantastique, c'est assimilé souvent à la période de Noël, même si j'en lis toute l'année, hein, mais voilà. J'avais très envie de le lire, donc je l'ai pris. Et puis j'ai regardé un petit peu plus aussi les livres que j'ai eus hier, ils ont l'air super bien. Donc j'ai décidé de... non, j'ai pas décidé. J'ai regardé un petit peu de quoi ça parlait. Ça a l'air hyper intéressant. C'est un monde dans lequel le Mexique, le Canada et les États-Unis se sont réunis, sont devenus une superpuissance et où les gens sont devenus complètement pervertis par la télévision, les médicaments et l'ultra-consommation et le culte de l'excellence. Ça a l'air ambiance rigolote, pas du tout. En plus, enfin voilà, ça a l'air un peu lourd, mais ça me botte vachement. Et là, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ouvrent leur maison une fois tous les 9 ans, je crois. C'est ça, un lieu étrange. Donc ça se lit plus légèrement. Je pense que l'écriture est beaucoup plus légère sur le deuxième. Au niveau de mes tricots, ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté. J'ai avancé sur la chaussette. Donc j'en suis là. J'ai choisi un troisième vert pour mettre sur le talon. Donc celui-là, c'est le plus pâle. Il est avec des brillants. Et puis après, il y en a un autre avec des brillants là. Il est plus prononcé celui-là en vrai. Et le vert foncé qui est sur toute la chaussette. C'est donc une chaussette de base. Je vais vous. Alors attendez, je cherche mon petit cahier parce que j'ai plein de bazar autour de moi. Et en plus, je suis accompagnée pour cette vidéo. Donc voilà. Et parce que je voulais vous présenter le tag que nous avons créé avec Camille des idées de Mims. Donc j'ai un nouveau cahier. Puisque l'autre avait été terminé, donc j'ai pris celui-ci. Et je vous prépare. Donc c'est parti pour le drôle de tag de Monsieur Scrooge. Donc c'est le tag que nous avons créé avec Camille des idées Mims, que évidemment je vous invite à reprendre. Alors il sera présenté sur Instagram, il sera présenté, aujourd'hui il est présenté sur YouTube. Et je vous invite évidemment à... Je suis accompagnée aujourd'hui. Je vous invite évidemment à le reprendre. Alors surtout, faut pas hésiter à me taguer et à taguer Camille, les idées de Mims. Pour taguer quelqu'un, je vous rappelle, on met le arrobase et ensuite on met le nom de la personne. Pour qu'on puisse voir et repartager évidemment vos réponses. Sur Instagram, là je vous le mettrai ici, là, à la fin du tag, je vais vous mettre le template, mais il sera accessible sur Instagram. Alors. Le drôle de tag de Monsieur Scrooge, c'est parti. Premier menu, première catégorie, c'est l'esprit des Noëls passés. Quel est le premier livre dont tu te souviens que l'on t'a offert? Alors, moi je pense que j'ai eu des tonnes et des tonnes de livres dans mon enfance, mais j'ai réfléchi et tourné le truc dans ma tête pendant 3 plombs, mais j'arrive pas à me souvenir, et surtout j'en ai pas. Donc je vais vous présenter le livre le plus vieux dont je me souvienne, et que j'ai en ma possession encore. C'est un livre sur le tournage du Seigneur des Anneaux. L'histoire du tournage, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça tout simplement. Et c'est un livre que j'avais eu pour un Noël. Je me rappelle très très bien quand est-ce que je l'ai eu. Je me rappelle très bien parce que j'étais à cet âge, à cette période charnière où on reçoit des cadeaux ou de l'argent. Vous savez, et moi j'ai eu ce Noël-là, je n'avais eu que des sous. J'avais trouvé ça un peu triste en fait. Et j'avais eu ce livre. Donc voilà, il est très. Il représente quelque chose de très fort pour moi. Je regardais de quand il date. Il date de 2002. Donc j'étais pas enfant. Sur la fin de l'adolescence, mais bon, voilà, ça c'est le plus vieux livre dont je me souviens. Donc ce sont des photos du tournage. Je l'ai lu, mais il y a très 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 longtemps. Donc
Donc voilà pour la première catégorie. Deuxième catégorie, pour toi, quel roman représente le plus la magie de Noël? Alors là, je pense que j'ai failli faire tomber mon cahier. Je pense que celui que je vais vous présenter, ça va être le cas pour beaucoup de gens. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Il s'agit évidemment du premier tome d'Harry Potter, Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, surtout dans cette édition de chez Minalima, qui a quelque chose de très féerique et qui fait vraiment très, très Noël, quoi. Vous voyez, plein de dorures. Bon, de toute façon, je ne vous le présente plus, hein. Il est tellement connu celui-là. J'aimerais bien aussi, j'aimerais bien me faire collectionner les Minalima, mais aussi les Jim Kay, qui sont un peu plus chers, mais qui sont très très beaux aussi. Bon, à un moment donné, je ne vais pas avoir 872 exemplaires de Harry Potter. Quel livre as-tu eu le Noël dernier? Alors là, je vais vous en présenter qu'un seul. J'en ai eu plusieurs, mais j'en présente qu'un parce qu'il y en a un qui va apparaître après dans les autres catégories. Donc, je vais vous présenter uniquement celui-ci. La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford, que j'ai eu à Noël l'année dernière et que j'ai lu très récemment d'ailleurs et que j'ai adoré. Donc, je vous présente que celui-ci, mais j'en ai eu d'autres. Deuxième menu. Le deuxième menu, c'est l'esprit des Noëls présents. Donc là, la première catégorie, c'est quelle est ta lecture du mois de décembre qui représente le plus l'esprit de Noël? Alors, j'en ai plusieurs et je trouve forcément celui qui fait le plus noëlesque, c'est celui-ci parce qu'on est vraiment sur une couverture 100% Noël. Je l'ai commencé, je vous disais l'autre jour, à peine commencé, je vais le reprendre là. Meurtre et biscuits au sucre. Parce que on est à la période de Noël et vraiment, voilà, c'est Noël quoi. C'est les couleurs de Noël, les biscuits de Noël. Il fait vraiment très Noël quoi. Quel accessoire, plaid, tasse favorite, marque-page t'accompagne en cette saison de fête? Alors moi, c'est toujours le plaid qui est ici, la tasse. Alors je marche vraiment avec des tasses favorites. En ce moment, ma tasse favorite, c'est celle-ci, que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui n'est pas une tasse d'une très grande qualité. Je finirai par m'acheter une Villeroy et Bosch, mais en attendant, c'est celle-ci. Mon thé de Noël qui est dedans, qui est le thé de chez Daman. Alors je ne sais plus lequel c'est, il y en a plusieurs, mais j'en ai deux des thés de Noël de chez Daman. J'ai également toujours l'accessoire. Alors pour moi, souvent, c'est lié. Enfin, tout va ensemble. Ma petite bougie de Noël, celle-là c'est la dernière que j'ai commandée chez Lily Derma, qui est pleine d'épices, c'est une bougie à la cire végétale. Et enfin, le dernier accessoire de Noël, c'est le chat, qui est très content de faire partie de cette vidéo, n'est-ce pas? Quel livre voudrais-tu absolument offrir à Noël? Et là, c'est un deuxième livre que j'ai eu à Noël l'année dernière, celui que je voudrais absolument offrir, c'est Calame de Paul Béorn. Le tome 1, parce que je l'ai tellement aimé que. D'ailleurs, je l'ai fait gagner sur Instagram. J'en ai acheté un exemplaire que j'ai fait gagner sur Instagram. Et j'ai fait un swap de livres, juste où il n'y avait qu'un livre. Et c'est le livre que j'ai offert à la personne. Je peux pas le dire parce qu'elle l'a ouvert. Voilà, c'est vraiment le livre que je trouve génialissime et que j'ai envie que tout le monde découvre. Troisième menu. L'esprit des Noëls futurs. C'est hyper pratique pour cette vidéo d'avoir le chat avec moi. Quel livre de ta palle a une couverture aux couleurs de Noël? Alors là, j'aurais pu vous présenter Meurtre et Cupcake au caramel. D'ailleurs, je pense que c'est. Non, c'est pas Meurtre et Cupcake au caramel. C'est Meurtre et Biscuit au sucre. D'ailleurs, je pense que c'était celui-ci que j'avais prévu de vous présenter. Mais je me suis peut-être mélangé les pinceaux parce qu'il y a aussi celui-ci qui est très aux couleurs de Noël. Voilà, c'est celui-ci qui est très aux couleurs de Noël. Le troisième tome de Podkin le Brave, je trouve il a un côté, en plus c'est un jeunesse, il a un côté enchanteur, enchanté, et je trouve que ça fait tout de suite, il y a un petit côté, ben voilà, ça marche bien sur la période. Alors évidemment, ça brille de mille feux, et alors, trop bizarre, on dirait qu'on est dans Inception, je suis dans le téléphone qui se réverbère lui-même dans la couverture du livre, du coup ça fait effet trop bizarre. Donc il y a celui-là. Et j'en ai pris un autre parce que moi, vous savez que la légende arthurienne est très liée à la période de Noël. Donc je trouve que celui-ci, Merlin de Théa Baron, Les années oubliées, le premier tome, se prête à la période de Noël. Il fait très Noël. Quel roman as-tu hâte de lire prochainement? Eh bien, celui que j'ai hâte de lire prochainement, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, le premier tome des Mondes d'Éowyn de Pierre Bottero, puisque ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de le lire. Et là, je me suis dit, mais attends. Attends, vas-y,
Donc, j'ai très hâte de lire. Et je pense d'ailleurs que je lis Meurtre en lecture commune. Je vais rattraper mon ami qui est en train de le lire et après j'attaquerai celui-ci, puisque je viens de finir Miséricorde. Quel livre souhaites-tu découvrir sous le sapin? Alors là, j'aimerais beaucoup trouver Sous le sapin, mais je ne suis pas sûre de le trouver. J'aimerais beaucoup trouver La vie invisible d'Addie Larue, que j'ai cherché en version hardback et que j'ai pas trouvé, donc je ne suis pas sûre qu'il y sera, mais c'est vrai que actuellement ce livre m'obsède et j'ai très 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 envie de l'avoir sous le sapin. Donc voilà, c'est le tout, c'est fini pour le tag. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous montrerai toutes les questions, comme ça vous les aurez notées. Normalement, je ferai un petit bandeau à chaque fois avec la question qui apparaît. N'hésitez pas à les reprendre, n'hésitez pas à y répondre à toutes ou à aucune ou à une seule ou à celle que vous voulez. Comme ça, bah voilà, c'est toujours super, j'aime bien lire vos réponses. Évidemment, bah, je ne pourrais pas les partager sur YouTube, mais sur Instagram, si vous me les partagez, je pourrais les repartager. Normalement, quand cette vidéo sortira demain soir pour moi, donc dimanche, elle sortira, je ferai un réel sur Insta comme défi avec ce tag. Ce fut laborieux cette phrase. Enfin bon, je vais m'arrêter là pour ce vlogmas pour aujourd'hui. Je vous reprendrai évidemment demain avec plaisir. J'espère que vous allez bien et de toute façon, je vous retrouve demain. Salut!